Bon, eh bien, aujourd'hui, pour critique, à critique encore, j'ai fait la critique du film The Door. Un film fait par Patrick McBrady en 2014. Ça parle de l'histoire d'un homme, je devrais dire un jeune adulte, qui a l'occasion de gagner 500$ par jour s'il garde une porte fermée. Non, il n'a aucune idée s'il y a de quoi dedans ou à l'extérieur. Il doit juste la garder pour 500$ la journée, 5 fois semaine, pour faire en sorte qu'il ne s'ouvre pas. Et l'idée était super intéressante, mais l'exécution, plus ou moins. Je veux juste parler des acteurs. Les acteurs semblent être tous des amateurs dans leur rôle, car soit on aurait dit qu'ils lisaient un texte à voix haute, avec une quelconque intonation, ou soit qu'ils ne savaient juste pas comment jouer. Pour ce qui est des effets spéciaux, l'ambiance était merdique, et il y avait quelques effets de sursaut, de surprise, qui étaient vraiment inutiles et pas du tout efficaces pour le film. Quelques petits effets de gore ici et là, mais vraiment pas assez pour dire que c'est gory. Pour ce qui est des impressions, c'était très étrange et mystérieux comme intrigue. Par bout, on aurait dit que c'était une espèce de triangle des Bermudes dans un entrepôt. Et pour toutes ces raisons, The Door, pour moi, mérite simplement un 1 sur 10. J'ai aimé l'idée, mais c'était vraiment mal foutu. Est-ce que c'est recommandable? Non! Ne regardez pas ce navet! Ça vaut pas le coup. Vraiment pas. Next!